conseil municipal du 20 décembre qui devait déjà se passer il y a une semaine. Donc on a été tous là le lundi et Goudin a annulé. Donc on est encore là pour ce conseil qui doit statuer et faire quelque chose au moins pour contre l'habitat insalubre et d'autres, sans doute d'autres projets sur Marseille, puisque je pense que vous le savez quand même que depuis 1995, date de l'élection de Goudin, il n'a absolument rien fait pour lutter contre ces habitats dégradés et que Marseille donc s'effondre plus ou moins, sinon plus que moins. Une délégation avait été demandée de la part de l'Interasso, du collectif Interasso qui se réunit. Elle a été bien sûr refusée. Les gens qui se sont inscrits pour assister au conseil municipal sont arrivés à 8h moins le quart. On leur a dit qu'à 7h du matin, il y avait déjà des personnes qui étaient rentrées. Il y avait donc 27 places qui ont été visiblement remplies par les bons soins de la mairie. Et j'ai fait face dans la tempête avec la charge considérable du capitaine qui doit remplir sa mission et je continuerai à le faire. C'est une histoire qui locale aussi sur le plan de l'urbanisme marseillais, hein, quand même, qui consiste en même temps, par rapport au quartier nord, pas quartier sud, Euromède, en fait, c'est quasiment obscène au niveau de ce qui est choisi. Voilà. En tant que maire de Marseille, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce drame ne se reproduise jamais. Les 8 victimes du 5 novembre me hanteront toujours. Aussi, je compte sur vous pour m'aider à répondre aux défis que nous lance leur mémoire. Ils s'arc-boutent sur leurs principes ou alors ils sont dans le déni de ce qui se passe ici. Je ne sais pas comment. Il veut essayer sans doute de tenir encore 2 ans parce qu'il voudrait, donc Godin et puis son équipe, il voudrait sans doute faire passer Vassal. C'est la dauphine, donc ils ne veulent pas faire trop de vagues. Voilà. Le rôle des associations peut également contribuer aux solutions. Elles sont reçues régulièrement par les élus responsables et je l'ai fait moi-même aussi mardi matin. Le collectif du 5 novembre a été invité à rencontrer M. Godin ce lundi vers 22h. C'est l'heure où on nous a appelés. Malgré les conditions de cette invitation, nous l'avons acceptée et avons été reçus mardi 18 décembre à 10h30. Nous regrettons vivement que cette rencontre ait eu lieu 42 jours après le drame qui a touché notre quartier et que les familles de victimes n'aient toujours pas été reçues. La plupart des délogés sont toujours en attente d'un relogement et de conditions dignes d'hébergement et d'accompagnement. Si la mairie promet de tout faire pour cela, elle refuse toujours de mettre en place les moyens nécessaires pour leur accompagnement, tel le renfort de l'équipe d'experts et d'expertes qui permettrait de planifier celui-ci ou la réquisition de logements vacants qui permettrait de ne pas utiliser les logements sociaux disponibles au détriment des habitants et habitantes en liste d'attente. Concernant nos revendications à plus long terme, à propos du droit à la ville pour toutes et pour tous, et la résorption de l'habitat indigne, y compris dans le parc public, l'encadrement des loyers, M. Godin et les élus présentes et présents ont soigneusement évité de répondre à nos questions. Fondamentalement, je pense qu'on est tous accablés par le fait de ce mépris ambiant et que on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de ce moment-là. Les choses sont profondes, elles sont là. Ce sont des braises qui coupent depuis des années, voire des décennies. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui à jour, à la suite, malheureusement, d'un drame humain
qui est terrible. Mais là, je ne pense pas qu'on va rentrer maintenant dans une période où on reprendra les bons ronrons avec les mêmes, etc. Il me semble que c'est plus possible. Depuis plusieurs années, déjà des parents d'élèves, enseignants et syndicalistes dénoncent l'état de délabrement avancé de nombreuses écoles marseillaises et les conditions de travail des personnels qui y exercent. Cette situation est le résultat de dizaines d'années de sous-investissement dans l'entretien des écoles et leur rénovation. Face à une telle situation, la mairie n'a rien trouvé de mieux que de faire un nouveau cadeau en privé en faisant appel aux multinationales du BTP à travers un partenariat public-privé. Ce plan prévoit en 6 ans la rénovation de 34 écoles sur 440. Il s'agira de verser un loyer exorbitant aux grandes entreprises comme Eiffage, Bouygues ou Vinci sur 25 ans pour un coût de plus de 1 milliard d'euros, alors qu'un contre-projet proposé par une maîtrise d'ouvrage public ne coûterait que 750 millions d'euros. La vocation de ce manifeste n'est pas d'être un communiqué de plus, mais un peu plus que ça, un texte qui doit rester, qui doit fédérer nos colères. Nous encourageons tous les quartiers, les associations, les collectifs, les syndicats aussi, il y a des syndicats qui ont commencé à signer, signent ce manifeste et que ça soit et qu'on prenne date et qu'on commence à se fédérer pour organiser la résistance contre la politique de destruction systématique de tout ce qui est populaire dans cette ville. Voilà. Alors, manifeste pour un Marseille vivant et populaire. Le drame de la rue d'Aubagne a mis à nu la brutalité de toute une politique. À Marseille, la ville se fait sans les habitantes et les habitants, et même contre eux. Et ça ne peut plus durer. Le 5 novembre 2018, l'incompétence, le mépris et les magouilles ont tué Couloumé, Fabien, Simona, Papé Maguette, Marie-Emmanuelle, Chérif, Taher et Julien. Zineb, tuée par une grenade lacrymogène le 1er décembre, en est aussi une victime. Les taudis, les écoles délabrées, les équipements et les services existants, inexistants, les transports publics indignes de la deuxième ville de France, les cités des quartiers nord laissés à la dérive, Maison-Blanche, Herbel, Caliste, Parcoro. La politique du pourrissement, nous en avons assez. Assez également de la braderie du patrimoine et de l'espace public aux promoteurs, multinationales et fonds de pension. Hauts de Sainte-Marthe, La Savine, Les Feuillants, Corderie, Hôtel Dieu. Assez des millions investis pour des croisiéristes. Assez des millions gaspillés pour fabriquer une ville qui n'existe pas, une ville falsifiée, quand la ville réelle est en train de crever. Pour la mairie. Une ville populaire est un problème. Pour nous, c'est la solution. C'est l'espace historique où se tissent les solidarités qui tiennent Marseille debout. Nous voulons. La réquisition de logements vides pour y installer les sinistrés de Noailles, les évacués, les sans domicile et les mineurs isolés. Un programme de lutte contre l'habitat indigne qui ne serve pas de prétexte à l'éviction des pauvres du centre et des quartiers. Nous voulons l'interdiction de toute spéculation immobilière là où sont morts nos amis, voisins et parents. Des centres sociaux, des crèches et un financement non clientéliste des associations dans tous les quartiers. Le lancement d'un vaste programme public de rénovation et de reconstruction des écoles. Une rénovation qui réponde aux besoins de la population et respecte les activités et usages existants. Nous voulons l'arrêt des chantiers inutiles et autres projets vitrines comme sur la plaine. Le maintien des marchés populaires et des commerces de proximité. La fin à la prolifération de centres commerciaux et autres attrape touristes. Nous voulons l'annulation des partenariats publics-privés, ces contrats ruineux pour la ville et les contribuables. Nous voulons des transports en commun gratuits pour en finir avec le tout voiture et la ségrégation territoriale. Nous voulons la fin de l'arrachage compulsif de nos arbres, comme à Lumigny, au parc Lévis à Longchamp, à la Plaine, l'île aux Chanterelles et le jardin des Vestiges.
Nous voulons que toute opération d'urbanisme commence par de véritables concertations publiques et non des simulacres. Les habitants de Marseille doivent avoir le dernier mot. Pour une ville vivante, verte et populaire. Verte et populaire. Aïe, merci.